À la page 32 du chapitre 16 de mes notes de cours, on va résoudre la question instantanée 1 de la section 3.1 de Séguin, question qui s'intitule « Le signe du travail » et dont on peut lire le libellé à la page 318 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier ce qu'on cherche, les données connues. On nous demande de calculer le signe du travail pour différentes petites situations. Le travail effectué par la force gravitationnelle, donc je vais appeler ça W majuscule, mais petit g pour dire que c'est le travail fait par FG, si on veut, pour une balle qui est en train de monter. On ne me donne pas de valeur, mais moi je vais traduire ça par un delta y. Si la balle est en train de monter, j'ai commencé à dessiner ma situation ici, j'ai dessiné ma balle ici, remarque, c'est le y initial, puis à la fin, ma balle est plus haute, c'est mon y final. Si je fais delta y, y final étant plus haut que y initial, ça fait exemple 10 moins 3, ça va toujours donner une valeur positive. Donc je travaille pour un delta y qui est plus grand que 0. Un objet qui monte possède un delta y plus grand que 0. Puis ici, c'est mon inconnu, mais je ne cherche pas les unités, je cherche le signe, je ne cherche pas la valeur numérique, je cherche le signe comme tel. Qu'est-ce que j'ai ajouté d'autre sur mon dessin? Ben, les deux variables en y et g. Et j'ai également montré quelle force travaillait, donc c'est le FG vers le bas. Mais mon déplacement, je suis passé de là à là, mon déplacement vecteur delta R est ici. Donc l'objet monte, mais FG vers le bas. Là, on pourrait me poser la question, mais comment ça fait qu'il monte? Ça veut dire qu'il y avait une autre force qui l'a fait monter. Bon, on ne me demande pas le travail fait par l'autre force, on me demande le travail fait par FG. Donc même si l'objet monte, le travail FG va avoir fait un certain travail. Évidemment, dans cette situation-là, elle semble incomplète. Il devrait y avoir d'autres forces là, qui ne sont pas mentionnées. OK, je dois toujours présenter deux façons de résoudre le problème. Pas toujours, mais au départ. Pour ça, après ça, vous aurez toujours le choix entre les deux méthodes là, quand c'est vous qui travaillez. C'est les deux formules qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, le travail fait par une force, c'est le module fois le déplacement fois l'angle entre ces deux choses-là. Je l'applique à ma situation, je veux calculer le travail fait par FG, donc j'appelle ça oméga G. La force, ça va être FG, le delta R, c'est delta R dans le problème, et j'ai le cos entre les deux. Prochaine opération, je remplace mon FG par MG. Le delta Y, donc la longueur du vecteur delta Y, ça correspond à, pas de delta Y, la longueur du vecteur delta R correspond à la valeur de delta Y. Et ici, l'angle entre les deux vecteurs que j'ai dessinés, ils ont un angle de 180 degrés entre les deux. MG va demeurer MG, delta Y est positif. Le cos 180, puis tu mets ça sur une calculatrice, ça donne moins 1. Ce qui veut dire que quand je multiplie ces trois termes-là ensemble, j'ai moins M fois delta Y, moins MG fois delta Y. Excusez, un peu de difficulté. Et si j'analyse ça en termes de signe, j'ai mon moins au début. Le M, c'est toujours une valeur positive, donc c'est plus quelque chose, chiffre qui n'était pas donné. Le G, c'est toujours 9.8 positif. Puis le delta Y, dans ce cas-ci, on a dit qu'il était plus grand que 0, donc lui ici, c'est une valeur positive. Donc moins un chiffre positif ça va me donner moins quelque chose. Je ne connais pas les chiffres, mais c'est ça que ça va me donner. Et je pourrais indiquer donc... le travail fait par G va être plus petit que 0, va être négatif. Donc, je peux l'exprimer de cette façon-là ou de cette façon-là. J'aurais pu le faire également avec une autre formule, la formule 1D. Mais évidemment, je ne dis pas selon X parce que je travaille avec l'axe Y. 1D selon Y. Si on va dans les résultats... C'est la formule que je vais utiliser, là, la deuxième que j'ai mise en jaune. Je la retranscris ici. Mega F est égal à FY fois delta Y. Ça, ça devient le travail fait par G. FY, la force qu'il y a là-dedans qui fait du travail, c'est FG. Donc, c'est FG selon Y. Et j'ai mon delta Y qui reste lui-même ici. Maintenant, si on écrit la ligne avec les signes, FG, Y, c'est mon vecteur ici. On a toujours dit quand il pointait dans le sens contraire de l'axe des Y, on écrivait que c'était une valeur moins quelque chose.
Delta Y, c'est une valeur positive, l'objet a monté, on a parlé tantôt. Moins par plus me donne moins. Donc, étudié de cette façon-là, j'arrive au même résultat. En B, on me demande de faire la même chose, de trouver le signe si le delta Y est plus petit que 0. Exemple, si j'ai mis moins 3 pour l'expliquer probablement à un moment donné avec quelqu'un qui avait besoin d'un chiffre pour bien saisir la situation. Donc, la position initiale, maintenant, elle est en haut ici. Et la position finale est ici en bas. Donc le delta R, c'est rendu un vecteur qui pointe vers le bas. Delta Y vaut moins 3. Ben, vaut moins 3. Vaut n'importe quelle valeur, mais dans ce cas-ci, dans cet exemple-là, je suis 3 carreaux plus bas que ça, donc j'ai reculé de 3. Si je demande le delta R, par exemple, parce qu'on voyait que c'était possible de calculer avec le delta R, il faut faire attention, delta R vaut 3. Le delta R vaut 3. Donc, par rapport à delta Y, si delta Y vaut moins 3, ben, il faut que je fasse moins moins 3 pour obtenir mon 3. Mais ça, le module vaut quand même 3. Première version, c'était de le faire avec les modules et l'angle entre les deux. Donc, je l'applique à oméga G. Ici, c'est mg. J'ai sauté l'étape tantôt d'avoir écrit fg. Mon delta R. Je rappelle, hein, quand j'ai étudié en termes de chiffres, il faut que j'écrive que c'est moins delta Y. Là. Ça, c'est un module, je veux arriver à 3, mais il faut que je fasse moins moins 3, fait qu'il faut que je rajoute un moins en avant du moins qui est là, fois le cos de l'angle. Et ils sont dans le même sens, ils vont avoir un cos de 0 degré. Je n'avais pas fini de compléter mon dessin tout à l'heure, mais dans le fond, c'est le même dessin qu'en haut, sauf avec l'inversion qu'on a vue au départ. Donc, on continue, le moins va venir en avant. Moins mg, j'ai mon delta y ici, puis cos de 0 donne 1. Donc en bout de ligne, il me reste le moins mg, puis delta y. Bizarrement, ça donne la même formule qu'on avait en haut pour un déplacement positif. Donc ça semble être une constante là, quand on veut calculer le travail fait par g, on arrive toujours à moins mg delta y. On va l'utiliser d'ailleurs tout à l'heure. Et quand j'analyse les signes, j'ai mon moins au départ, mais le m, c'est une valeur positive, le g, c'est toujours 9,8, et le delta y, dans ce problème-là, valait moins 3. Donc j'ai moins fois plus fois 9 fois moins, moins par moins, ça me donne une valeur positive. Donc de toute façon, l'écrire, c'est d'écrire que le travail est plus grand que 0. J'aurais pu le faire aussi comme en haut avec la deuxième formule, c'est-à-dire que prendre du 1d selon y, l'appliquer à oméga g, fy, 2 carreaux, fy, mais c'est fgy, fois delta y, oméga g, le fgy pointe vers le bas, donc son signe est négatif, le delta y, on a vu tantôt que c'était un signe négatif, moins par moins va me donner du positif. Donc encore une fois, plus grand que 0. En C, on me demandait maintenant toujours le signe du travail gravitationnel, fait par la force gravitationnelle, si je n'ai pas de variation de vitesse, de y. Mais pas parce que je reste à la même hauteur, parce que je tourne sur une orbite circulaire alentour d'une planète. C'est que mon dessin va être cette orbite circulaire-là. Exemple, l'objet est ici au départ, et plus tard, ils ne nous disent pas où, mais là, moi, je le monte à deux endroits pour étudier la situation. Plus tard, il est rendu ici. Il est toujours à la même distance de la surface de la planète, là, une distance qu'on pourrait appeler la hauteur. Fg pointe toujours vers le centre de la planète. Donc, j'avais Fg ici, puis j'ai un Fg différent en angle, mais en longueur, c'est la même, pointé vers le centre de la planète. Et je veux le travail fait entre ces deux positions-là. Je vais vous le montrer en trois versions possibles. Version raccourcie, où ce que tantôt on a dit que on arrive toujours à ça, qu'on ait un travail positif ou négatif, on arrive toujours à ça, fait que j'ai parti avec ça, moins mg fois delta y, ça me donne moins fois mon m qui est toujours positif, 9,8, puis le delta y est égal à 0. N'importe quoi, une multiplié par 0 va me donner 0 de toute façon. La version faite avec ça, fgy fois delta y, fgy moins quelque chose, dans le sens que l'axe des y, je l'ai toujours mis, qui s'éloignait de la planète, mais delta y donne 0. N'importe quoi fois 0 va s'annuler, puis même la version avec angle, oméga g est égal à fg, fg est positif,
Je vous rappelle ici, ce n'est pas marqué FG selon Y, c'est marqué juste FG, donc je m'intéresse au module. Module toujours positif, module toujours positif. Et le cos, 90 degrés entre G et delta R. Je n'ai pas dessiné vecteur delta R, mais le vecteur delta R, dans le fond, c'est la trajectoire ici suivie. Puis mon FG toujours perpendiculaire à la trajectoire, donc toujours à 90 degrés. Cos 90 donne 0, multiplié par le reste va donner 0.